Voilà votre armurier. Qui vous a demandé de le trouver? Daisy Fitzroy. Elle est une grande héroïne, ou la pire des crapules, selon la personne qui en parle. Tant qu'elle me rend ce dirigeable, elle peut bien être reine des Pays-Bas. À dire vrai, je n'ai pas beaucoup de temps à accorder à ces histoires de prophéties. Vous pouvez me croire, la croyance est une simple commodité. Et le vieux Comstock a toujours quelque chose à dire. Mais comme n'importe quel commerçant, il doit troquer son produit contre des ressources terrestres. On ne construit pas une étable avec des chansonnettes, ça non. Il faut du bois de chez Fink, un marteau de chez Fink, et de la main-d'œuvre de chez Fink pour manier le tout. Il a besoin de moi, ou il perdra tout. Bienvenue aux ressources humaines de Fink Industries. Aucun poste n'est vacant. Vous entendez? On n'embauche pas. Comment va-t-on s'introduire à Finkton? Illégalement. Cherchons une deuxième entrée. Il y a une serrure. Je vais essayer. Voilà qui est fait. Bien. Désolé, mais j'avais cru comprendre qu'il y avait du travail. J'ai rempli les formulaires. Quoi qu'il en soit, les quotas sont atteints. Mais j'ai dépensé ce qui me restait pour venir de Buxton Town, monsieur. Écoutez, on a déjà embauché tous les larbins de niveau C dont on avait besoin, c'est clair? Et si je revenais demain? Là, tout de suite, vous ne travaillez pas pour monsieur Fink. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, si quelqu'un vient vous voir pour vous expliquer que vous n'êtes pas correctement traité, ma foi, vous savez ce qu'on vous dit vraiment? Tu crois que tu pourrais m'ouvrir ce truc? Mon ami, ce que j'ai fait n'a pas d'importance. Mon ami, c'est fait. Par ici, un ascenseur de service. Il nous mènera à Finkton. Et nous fera tuer pour le même prix. Je vais leur répondre. Répondez. Je ne suis pas un esclave ni un idiot. Je suis un maillon de Fink. Et j'en suis fier. Qui est là? Quelle est la douleur? Faut-elle mieux que la foi? C'est Christo! La miséricorde! C'est ce que l'on sème. La miséricorde est l'objet du Seigneur. Continuez à tirer! Réjouissez-vous, car vous ne sentirez pas la mort. Pour la famille! La miséricorde!
Seigneur. Réjouissez-vous, car vous ne sentirez pas la mort. Le Seigneur juge. Je suis sa main. Arrêtez! Au nom de la loi! Celui du prophète. Le Seigneur juge, et je suis sa main. Pour la patrie! Rendez-vous avec la mort. Pour la foi! Booker, des cristaux! Booker, tenez! C'est parfait! Réjouissez-vous, car vous ne sortirez pas à la mort. On récolte ce que l'on sème. L'armurier Chen Lin, recherché pour ses liens avec la criminelle Daisy Fitzroy. Notre brave ami s'est fait remarquer. Mauvaise nouvelle, non? Ouais. Besoin d'argent ? Attrapez !
mis la main sur le journal personnel de la femme de Comstock. Il éclaire d'un jour nouveau cette histoire d'enfant miracle. Elle laborait cet enfant. Apparemment, la sainte femme aurait largement préféré voir la progéniture du prophète étouffée dans son berceau. Fermé. Elisabeth ? Ah, un jeu d'enfant. Super. Le casier de Slate. Il travaillait ici. Mais je... C'est le journal de ma mère. Où Slate l'a-t-il trouvé? Mon mari prétend que l'enfant serait né de la volonté divine. Je suis croyante, mais je ne suis pas née d'hier. Son engeance ne grandira pas sous ce toit. Ma mère... C'est elle qui m'a fait enfermer. Elisabeth. Je veux juste m'enfuir de cette ville. Je vous en prie. Bonjour. Mon nom est Jeremiah Fink. Et je veux partager mes préceptes avec vous. Quelle est la créature la plus admirable de toute la création de notre Seigneur? Mais l'abeille, bien sûr! Avez-vous jamais vu une abeille chômée? Une abeille accepter un arrêt maladie? Eh bien, mais la réponse est non! Alors, faites l'abeille! Faites l'abeille! Allô? Monsieur DeWitt? Oui? Monsieur Fink souhaiterait vous parler. Que se passe-t-il? DeWitt? C'est Fink. Bon, écoutez. Après analyse, je peux dire que vous êtes de loin notre meilleur candidat. Le meilleur. Bien. Mon associé, Monsieur Flambeau, sera là pour vous apporter son aide. Qu'est-ce que c'était que ça? J'en ai aucune idée. Bizarrement, il a l'air ravi de vous rencontrer. Il a une haute idée de lui-même. Bienvenue à Finkton. Vous trouverez de quoi vous approvisionner pour rendre votre visite plus agréable. Que peut bien nous vouloir Monsieur Fink? Pardonnez-moi, mais Monsieur Fink ne porte d'intérêt qu'à ce monsieur. Mais pourquoi? Désolée, mademoiselle. Toute question concernant la candidature de ce monsieur est à adresser directement à Monsieur Fink. Ça ne vous paraît pas bizarre, tout ça?
Personnellement, je trouve ça très bizarre. Porteur de charbon, demandez. Transportez du charbon depuis Fink Manufacturing jusqu'à Shanty Town. Alors, on va chez l'armurier ou on cherche du matériel dans l'horlogerie? Qui pour 13 minutes? 10. 10 minutes en chair à 10, qui pour 9? 9, moi, s'il vous plaît. 9 minutes, qui pour 8 minutes en chair à 9 minutes, 9? 8. En chair à 8 minutes, 8. Ici, 7 et demi. 7 minutes et demi. 6 minutes et 15 secondes. 6 minutes 5 par ici. 5 minutes 50. Je peux le faire en 5 minutes 50. 5 50. J'ai dit 5 50. Personne ne descendra plus bas. La mission de porteur de charbon va à l'ouvrier en bleu. Votre salaire vous déplaît? Ne vous laissez pas abattre. L'histoire nous dit que Sera, le peintre, n'acceptait pas qu'on le paie pour son art. George Washington n'accepta la présidence qu'en échange d'un dollar symbolique par an. L'argent ne fait pas le bonheur, et vous le savez. Gardez ça. Je te remercie.